You're listening to the Blue Sky Radio. The Blue Sky Radio. Beautiful blue skies. Le docteur Pasteur est venu, il est là déjà sur le studio. On aura de beaux moments ensemble aujourd'hui. J'aime bien que la famille. La communauté ivoirienne, gabonaise, camerounaise, aussi burkinabèse, de nous joindre si vite. Sénégalaise, suivez-moi ici sur la radio. Je suis là, je suis avec la parole de Dieu. Ici, c'est 14 heures déjà passées. Ici, en Houston, Texas. Je veux vite parler, je veux parler de l'évangile. Savourez-vous un peu avec us. Mon frère, c'est toujours le groupe. Il y a le loto. J'ai dit aussi à saluer Pasteur Jean-Paul Baya à Lexington. Ça, c'est mon frère. Baya. Pasteur Jean-Paul. Et tout, tu vois, la famille qui est là. Je salue aussi Tengeneza. Tengeneza à Lexington. Yahweh Sala. Yahweh Sala. La reine des reines, la reine Esther. Qui est là à lui aussi, qui est venu. Ça, j'ai oublié aussi les gens de Tennessee, Nashville. Je salue Oakley, papa Lokosa, qui est là à Nashville. You're listening to the Blue Sky Radio. Blue Sky Radio. Beautiful blue sky. The Blue Sky Radio. We've been dreaming for this. Now we're here. Now we're here. You've been looking for the place to promote your small business. The Blue Sky Radio is the best place to promote your small business. The Blue Sky Radio. The Blue Sky Radio. We the best. Père, nous te remercions. Nous disons merci. Dans cet après-midi. Le Dieu, tu ne changes pas. Tu es le même. Merci pour ce moment favorable que tu as voulu encore que nous puissions entrer au-devant de toi. Maintenant que je vais aller présenter l'évangile, Dieu ouvre le cœur de ces gens qui vont m'écouter maintenant, partout dans le monde, au Canada, en Afrique, en Europe, en Asie, en Australie, en Amérique du Sud. Seigneur, ouvre leur cœur pour qu'ils puissent écouter ce que tu veux leur dire cet après-midi. J'ai lu tout ce qui est du diable, tout ce qui n'est pas de toi. Quand je vais commencer à prêcher tout de suite là, je vais lire dans les noms de Jésus-Christ. Tout ce qui est du diable, tout ce qui ne vient pas de toi, je le rends sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Et l'esprit là du malin qui va faire que quelqu'un ne puisse pas écouter de cette parole que je vais maintenant prêcher. Car la parole dit que c'est la parole qui vivifie. C'est ça la parole de la vie que je vais maintenant prêcher. Je vais donner à ton peuple, oh Dieu. Ouvre leur cœur de recevoir. Et ceux-là qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur seul Seigneur et Sauveur, laisse qu'aujourd'hui qu'ils puissent vraiment accepter Jésus et que leur vie ne soit pas toujours la même. Dans le nom de Jésus-Christ, j'y prie. Amen.
Amen. D'abord, salut Moza Christine qui est au Canada. Il est aussi allé tout de suite là. Je suis très bien au Canada. Ma soeur, sois bénie. Elle est là au Canada. C'est moi, de la chorale du Djing. Cola, chorale du Djing. Un constructeur de l'église. Alors tu fais partie là, alors. You're listening to the Blue Sky Radio. Blue Sky Radio. Beautiful blue skies. Tu dois te connecter avec moi parce que c'est moi qui est là pour la diaspora. Je salue aussi docteur le graphe docteur Luna Boudou Luna Bouddha Lounou à Nairobi avec Pasteur Bali. Ils doivent se connecter avec moi vite parce que c'est nous le Tujenge, mais là, le Tujenge diaspora. Nous devons vraiment parler. Écoutez-moi, mon frère. Alléluia. 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 Vous êtes tout à l'heure mokonzi, okoki ataku buchite tikala kaka bipayo zali. Lo baseli lo ba moko. Mona nanga ko sala nini? Akubika. Bongo to sipelate. Bongo to mokweto. Alléluia. Alléluia. Boyo ki makamboyo. De ko nanga grand frère Penazo lo ba. Le loto, le manza ba pambolo si vous allez au premier. Donc, le manza ba pambolo autre. Donc, ça vous allez ko sala musala na yena mokili. Awa, vous allez ko sakola yena na kambi. Donc, ils allaient caca. Oh, Moutuyo Lingi, et donc, yo Lingi, t'as un goutou no Lingi, le Yiko Bika, le Yiko Telema, Telema, le Yiko Mona, Mona. Alors, on s'en a pas de combattre, et donc, attaque au laisser, soit qu'il y ait, puis qu'il puisse tout ça. Alors, il y a bien, il y a bien, il y a un premier, Bobin, on a un combo belé, on a un combo belé, on a un combo belé. Je vais prendre, au combo belé, je vais prendre un apostrophe. Bienvenue. Alors, je salue aussi famille Bijou Kayouba et son mari aussi, papa Albert. Eux, ils m'appellent Cash, papa Cash. Papa Cash, vraiment beaucoup, je les aime beaucoup. Papa Albert, je les connais. Je les salue. Là, je vais commencer à parler. On va lire tout vite, tout de suite là. Bisous un peu. On va lire à 4, je précise en anglais à l'église, mais on va faire mais très vite à Jean chapitre 4, dans la maison, lisez là, on va lire Jean 4, là tu vas voir l'histoire ici, vous le savez bien, tout le monde le sait bien, c'est l'histoire de la femme samaritaine. Jean chapitre 4 verset 1. Alors je vais lire seulement parce que vous savez l'histoire déjà. Là, je vais faire le résumé.
J'ai choisi les 4 versets 1 jusqu'à 40 à l'histoire. Mais ici, je vais en parler. Verset 1, reste comme ça. Le reste, vous allez suivre, vous allez lire. Parce que vous savez déjà. Alors, je vais faire un verset. Je vais faire 4 versets 1, Jean. Les pharisiens avaient attendu dur que Jésus faisait et baptisait les disciples que Jean. Plus avait dur Jésus lui-même ne baptisait personne. Il laissait les siens que ses disciples baptisaient. Il quitta la Judée et retourna à Galilée. Il quitta la Judée et retourna à Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. Qu'il arriva près du cadre de Samarie nommé Sychar, non loin du champ de Jacob, avait Chandi donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Je suis fatigué du voyage, ça du puits. Il était environ une femme samaritaine pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exprima. Comment? Tu es juif et tu me donnes à boire et tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine. Les juifs en effet évitaient toute relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. 11. Mais, maître, répondit la femme, non, seulement tu n'as pas de seau. Tu n'as pas de seau. Mais le puits est profond. D'où la tures-tu donc cette eau vive? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits. Et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, auront de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça continue l'histoire. Vous savez ce qui s'est passé là-bas. Laisse-moi parler un peu ici sur cette histoire. Vous savez, en histoire, en Israël, dans la communauté juive, surtout le judaïsme, il y avait trois groupes de gens. Il y avait ce qu'on appelle les sadducéens, il y avait les pharisiens, il y avait aussi les zélantes. Les sadducéens, c'était les gens-là, c'est une partie, c'était secte dans le temps de Jésus-Christ. Les sadducéens là croyaient beaucoup en Torah. Ils acceptaient seulement le Torah, le Pentateuque. Le Pentateuque, ce sont les cinq livres là. Le Pentateuque.
Quand je parle le Pentateuque, je parle de Genèse, Exode, je dis Lévitique, je dis Nombre, je dis Deutéronome, ce qu'on appelle Pentateuque, ce qu'on appelle Torah. Et ils appuyaient, ils acceptaient seulement ça, les Sadducéens. Et ils ne croyaient pas à la résurrection. Selon les Sadducéens, il n'y a pas la vie après la mort. Les Sadducéens, il n'y a pas la vie après la mort. Quoi encore? Et ils croyaient qu'il n'y a pas l'esprit. Le Saint-Esprit là, l'esprit là, ils n'acceptaient pas l'esprit. Ce sont ceux-là, les Sadducéens. You're listening to the Blue Sky Radio. The Blue Sky Radio. Beautiful blue sky. The Blue Sky Radio. We've been dreaming for this. Now we're here. Now we're here. You've been looking for the place to promote your small business. The Blue Sky Radio is the best place to promote your small business. The Blue Sky Radio. The Blue Sky Radio. We the best. Alors, en parlant des Sadducéens, il y a aussi les pharisiens. Qui sont ces gens-là? Le pharisien, les noms. Le pharisien, leur nom est dérivé de la langue hébreuse ou bien araméenne. Qui dit parouch? Parouch, une hébreu, la langue hébreuse. Si vous faites les études hébreuses, vous allez trouver ça. C'est parouch. Parouch signifie séparé, mis à part pour un service consacré. Alors, selon eux, le pharisien, eux, ils étaient mis en part pour un service, le service de Dieu. Ils étaient des religieux. Ce sont des gens très religieux. Et pour eux, au contraire, par rapport aux Sadducéens, le pharisien croyait à la résurrection après la mort. Et il croyait à la résurrection après la mort. C'est ainsi que, maintenant, après eux, les pharisiens, il y a aussi les zélons. Les zélons, là, ce sont les fanats, ce sont les fanatismes, et ce sont les fanats, les gens là, qui croyaient beaucoup que un jour, l'Israël, en Israël, il y aura un royaume. Un royaume qui va bouleverser le royaume romain. Parce qu'en ce temps-là, c'était les Romains qui étaient de grandes puissances. Ils gouvernaient tout ce temps-là. Asie mineure, partout là-bas. C'était les Romains. Alors, ils s'opposaient beaucoup aux Romains, les Zélotes. Ils étaient comme des soldats. Ils étaient prêts pour qu'un jour qu'il ait un gouvernement juif qui va bouleverser, qui va combattre, qui va vaincre les Romains. Et qu'ils puissent établir le royaume. C'est ce genre-là. C'était ça comme ça. Jusqu'à quoi? Jusqu'à avant Jésus-Christ, l'an 70, quand on avait détruit le temple que Salomon avait construit. C'était là que tout ça avait pris fin. Alors, ce sont ceux-là que vous avez écouté ici, en chapitre 4, verset 1. Ces pharisiens-là, très souvent, ils étaient toujours derrière Jésus-Christ. Les Sadducéens et les pharisiens suivaient toujours Jésus-Christ quand ils prêchaient. Alors là, maintenant, ils ont appris que Jésus baptisait, des choses pareilles. Alors, ils ont vu que Jésus baptisait plus que même Jean-Baptiste. Mais ce n'était pas Jésus qui baptisait, mais ce sont ses disciples qui baptisaient. Voilà l'histoire là qui se passe. Maintenant, en Israël, vous écoutez la Samarie et la Judée. Quelle est l'histoire? Laisse-moi parler d'abord en vrai. L'histoire est en esthétique. L'histoire est que Israël était divisé en deux royaumes. Le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord avec leur capitale, la Samarie. Le royaume du sud, c'était Jérusalem. C'est ce qu'on appelle la Judée, là-bas, en bas. En bas, là-bas. Alors maintenant, quand les Syriens, les Assyriens ont attaqué Israël, ils ont pris les gens de Samarie. Les gens du nord, on les a pris. Ils sont allés vers la Syrie là-bas. Alors, arrivés là-bas, ils se sont impliqués, ils se sont inclus dans la vie des Assyriens. Ils se comportaient comme des Assyriens. Ils mangeaient la nourriture que les Samariens mangeaient et priaient aussi le Dieu des Assyriens. C'est que le Dieu d'Israël n'aimait pas.
Dieu d'Israël souvent refusait que les enfants d'Israël puissent se mêler dans des business, dans des affaires de leurs voisins. Et ils ne voulaient toujours pas. Parce que, d'ailleurs, quand ils ont quitté, les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, en revenant, ils leur avaient dû de terminer tous les gens-là qui sont sur la terre, le pays, la place qu'il a organisé pour eux d'aller prendre. La place là était occupée par d'autres gens. Il leur avait dit de tuer tout le monde là-bas. Ils ne l'ont pas fait. Et maintenant, Dieu leur avait même refusé de se marier avec d'autres gens comme ça. Parce qu'ils savaient que s'ils se marient comme ça, ils vont, leurs femmes là, ou bien les hommes là, vont les guider à adorer d'autres dieux. Ce que Dieu ne voulait pas. C'est ainsi que les gens le royaume du Nord, le Northern Kingdom, du Nord, en Israël, Samarie, sont allés en Assyrie. C'est là qu'ils ont commencé à se comporter comme les Assyriens, à faire l'idolâtrie là-bas. Et Dieu n'était pas content. Ils se sont mélangés. Ils ont eu des femmes là-bas, des hommes là-bas. Alors, leur sang était mélangé. Les gens du sud, la Judée là-bas, Jérusalem en bas, eux, les Babyloniens les ont attaqués. Quand les Babyloniens les ont attaqués, on les a pris en captivité à Babylone. Là, vous allez voir l'histoire de Meshach, Abednego. Hein, vous allez trouver l'histoire là. Vous allez voir comment dans Daniel chapitre 3. C'est comme ça qu'arrivé là-bas, man, c'était terrible. Ces gens-là, les gens de la Judée, du royaume du sud, d'Israël, n'ont pas voulu suivre l'ordre de se mêler dans les enfers de gens de Babylone. Ils ont gardé leur foi à Dieu. Ils ont voulu garder leur sang juif pur, à ne pas se mêler avec ces gens-là. C'est comme ça qu'ils sont restés toujours purs. Ils ne sont pas mélangés là-bas avec le gens de Babylone. Alors, il y a unanimité entre Judée et Samarie, c'est comme ça. Alors, le gens de la Judée, les gens de en bas comme ça, de Jérusalem ici, considéraient les gens de Samarie comme des païens maintenant, parce qu'ils se sont mêlés avec les étrangers. Ils ont des enfants qui sont à moitié israéliens et moitié assyriens. Alors, on les considérait comme des impies. C'est ainsi que quand quelqu'un quittait la Judée pour aller à Galilée, au lieu de passer à travers Samarie, vite arriver en haut là-bas à Galilée, il devrait passer par rivière Jourdain. On croit comme ça. Passer et arriver là-bas à Galilée. C'est comme ça. Alors cette fois-ci, c'est comme ça que Jésus, maintenant, ici, en chapitre 4, quittait là-bas, il voulait descendre. Il voulait aller à Galilée, là-bas, en bas. Il était là-bas, en haut, il voulait aller en bas, là-bas. So, il avait à Judée. Il a quitté Galilée pour aller à Judée. Pour passer à Judée, il faut passer par Samarie. Alors, ils ont voyagé, ils ont eu. Enfin, il était très fatigué. Il avait décidé de passer par Samarie cette fois-ci. Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a voulu faire passer le gospel. Le gospel, l'évangile, allait pénétrer, arriver là où ça n'a pas été. Voilà, c'est comme ça que Jésus est venu. Il est assis tout près de du puits. Le puits là a été creusé par Jacob. Jacob avait donné ce puits là à son fils, Joseph. Alors, c'est comme ça. Arrivé là-bas, il y a une femme qui venait puiser de l'eau. C'était vers midi. Il a trouvé Jésus. Jésus a dit, oh mais, peux-tu me donner? You're listening to the Blue Sky Radio. Blue Sky Radio. Beautiful blue skies. Blue skies. Coca, Blue Sky Radio. Kulikuwa daktari mchungaji pasta $7 international pale Houston, Texas. Hivi nimeamini, nimeokoka. Basi, endelea kusoma Biblia. Jifunze kuomba kila siku na maisha yako. Awezi baki hivo. Basi hivo, on va se raconter prochainement. C'est comme ça que si vous voulez accepter Jésus-Christ comme seul Seigneur sauveur Jésus-Christ, dites avec moi, dites que Seigneur Jésus,
j'ai écouté ta parole aujourd'hui à travers ton serviteur, docteur et pasteur Sabadola, Riteur National, sur le Blue Sky Radio. Il a parlé que toi, c'est toi la vie, c'est toi qui donne de l'eau vive. Tu as besoin de cette eau-là. Alors maintenant, tu vas l'accepter. Je t'accepte aujourd'hui comme seul Seigneur Sauveur. A levé mon nom dans le livre de la mort, écrit mon nom dans le livre de la vie. Et aujourd'hui, je déclare que je suis sauvé. Dans le nom de Jésus-Christ, dans ton nom, j'ai prié. Et dit Amen, dites Amen, dites Amen, 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 tu es sauvé. Allez, va dans n'importe quelle église, là où on prêche la bonne nouvelle, là où on écrit seulement la Bible et pas d'autres livres et bouquets là-bas, non. Dis tout à l'heure que tu as été sauvé à travers pasteur docteur Sabadola International qui est à Houston, Texas sur Blue Sky Radio. Et maintenant, on va t'apprendre comment prier, comment lire la Bible et ta vie ne restera pas la même. C'est comme ça qu'on a terminé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous durant toute cette semaine. On va se rencontrer encore le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse le 2 juin. Que Dieu vous bénisse abondamment à Kampala. Il y a eu consort de mon neveu Germain à Kampala, Zole Kelangai. Je suis sûr que vous êtes avec lui. Que Dieu vous bénisse. Savourez-vous avec cette rubrique alors. Merci. Au revoir. You're listening to the Blue Sky Radio. Blue Sky Radio. Beautiful blue sky. The Blue Sky Radio. We've been dreaming for this. Now we're here. Now we're here. You've been looking for the place to promote your small business. The Blue Sky Radio is the best place to promote your small business. The Blue Sky Radio. The Blue Sky Radio. We the best.